capable de chauffer une plaquette comme ça, une plaquette qui va bon. Chauffer même tout ça, chauffer un bol comme ça qui va bon, juste pour capable retirer. C'est pour capable retirer plaquette SIM là. Absolument bien Gonzalo, plaquette SIM ça t'est là, chauffer, il chauffe en bas et puis pour plaquette SIM là quand monter vinn jeune nous et puis l'elle monter vinn jeune nous on a ça tout d'une pièce. OK. Bot ça va bon. Si bot ça va bon, il y a un pile bail qui capable carabiti le plaquette SIM là et puis pied ça, OK. Et puis batterie, il était normal, il carabiti le ça bon là encore, on jeune power ça yo, petit clic power ça yo. Décharger, je vais en prendre déjà. Ok. Ça va être ça qui gagne dans le bot, ça va être bon. Plaquette SIM, je vais plaquette SIM dans le sol. Je vais mettre ça là. Je vais ajouter plaquette SIM dans la donne. Ok. Je vais ajouter plaquette SIM dans la donne. Je vais faire un pile bruit dans la donne pour mettre plaquette SIM ça. Le premier sac qui est là dans la pâte, bon. Je vais obligé de retirer le premier. Hein? Qui va de puis mal ajouter ça là dedans. On va l'ajouter ça. Hein? Cabal là dedans comme ça. Mettez plaquette sur mes pieds après ça m'a un espace pour me souder normalement, j'ai un espace pour me souder avec et ça m'a besoin de retirer petit toile qui sous lien. OK? Ça m'a bien besoin de retirer petit toile qui sous lien. So, si je veux souder avec fer, il y a des gens qui ont apparaît ça. Des boutons qui chauffent, ou pousser la chaleur. Là. Et puis, il y a des gens qui prennent la place normale. Mais il y a des gens qui apparaissent, puisqu'on va gagner, obligé de servir avec fer à souder. Mais ça, il faut faire pile prudence avec ça. Voilà. Pour mettre la plaquette comme ça et pendant après tirer vieux sac pas bon sur lien moins dire au fait avec un pied là le capable retirer dans mon capable bail gros problème dans sens ça. OK, bien retiré intact que tout espace ça haut va le passer faire sous ça c'est pour capable prendre normal via vous ça bien plaquette ça qui tout gain partie carte mémoire là dedans tout gain partie carte mémoire mettez là montrer nous. Ok. Nous bah le voilà sous des bouffons. Pile en pile en pile prudent ensemble avec lui. Ok. Je vais souder le fois qu'il faut me faire bien pour place là. Son façon m'a monter nous. OK. Voilà. Là elle capable rester normal dans sens là. Elle était normal là qu'on a plus que le bal balité là. Pas le balité avec fer pour capable pour tout ça capable prendre espace là même bon, m'a fait même bon. Après ça, ça gars prendre n'importe 5 pieds qui est important là dedans là. Il y a 5 pieds qui sont importants là-dedans. Il faut que tous les 5 pieds soient soudés. Et là, on a besoin de 2 pieds qui sont importants là-dedans. Il faut que 2 pieds soient soudés. Dans le même bois, on a besoin de même bas là encore. OK? Pas oublier ça. Ça, c'est un J3. J3 me démontre une corde pour retirer l'écran. OK? Ça veut dire que je vais faire des bails différents de lui. Ça, c'est l'autre J3 encore. Et J3, ça, ça me prend là-dedans. Je suis obligé de prendre une plaquette SIM là-dedans. Je prends une plaquette SIM dans J3 ça. Je prends la plaquette SIM dans la J3, ça, j'en ai là. Ouais. Plaquette SIM dans la J3, je prends la donne. Je prends la plaquette SIM dans la donne, je prends la plaquette SIM. Et ça. Ouais. Capable de mettre là pour mettre SIM, petit SIM dans la donne, normalement là, la donne. Chauffer en bas ça. Ah, il m'a chauffé non ça. Sous pas bon même façon que me retire là, juste ajouter le sous ça. Ouais, sous réchaud. Hein. Je vais le dilater puis me retirer ça me besoin là dedans là. Quelle que soit pièce où me besoin là dedans là,
Si là le trouver, je suis capable de retirer normalement sous ça. À l'aide des bails que je suis soudé, je suis capable de retirer sous lui. Ah, je suis capable de soudé. Je suis soudé pour être capable de remettre lui. Bon, c'est là et tout travail qui est en fait là normalement. Ok, puis le travail qui est en fait, pour le travail sacré là, c'est soudé. Je vais souder ça normalement et puis pour me remettre lui.